Trouver notre voie implique nécessairement de s'affranchir de nos anciens schémas et angles de vue, de se libérer de nos émotions, de faire focus sur nos joies intérieures et surtout d'être en parfait alignement entre nos idées et nos actes. Sans cela, ce n'est pas notre mission d'âme qui prend le gouvernail, ce sont les croyances sur nous-mêmes. Et une fois libérés de tous ces faux-semblants, alors notre vocation s'impose à nous comme une évidence et toutes les parties de notre être y consentent avec joie. Ainsi, je ne parle plus de travail, mais de plaisir. Je venais de sortir dans un moment de ma vie que c'était très compliqué avec tous les soucis de santé que j'ai eu. Je venais aussi de sortir d'un boulot et je ne savais pas quelles étaient mes capacités. Je ne me reconnaissais même pas moi-même. Et du coup, il fallait que je fasse quelque chose. Quand j'ai vu la formation d'Estelle, le sommaire et tous les programmes, j'ai dit, c'est là que je vais me rencontrer de nouveau. Ce sont plus que des formations, c'est tout un accompagnement, un cheminement de la personne qui va lui permettre de se connaître un peu plus, de savoir pourquoi elle a oublié sa vocation et comment la retrouver. C'est un véritable engagement qui nécessite d'être prêt au changement.